Je pense que nous devrions tous rester ici sur cette terre, ne pas émigrer, mais nous battre bec et ongles pour l'obtenir. Notre seul désir est que la paix prévale. Nous voulons bien vivre et nous ne voulons pas envahir ou être envahis par quiconque. Imad al-Sarras et sa famille passent le plus clair de leur temps sur leur ferme située dans le village de Sakaria, Khilet Afanet, au sud-ouest de Bethléem. Il fait de l'agriculture biologique et est autosuffisant pour sa famille. C'est un projet pilote en Palestine et une réussite qui donne de l'espoir malgré les difficultés. Ceci est notre terre, la terre du Christ. La paix soit sur elle. Nous parlons de la ville de Bethléem, de notre histoire. Nous ne sommes rien sans cette terre. Il est inacceptable que le pays qui a vu naître Jésus-Christ soit privé de la présence chrétienne. La famille Es-Sarras perpétue une tradition héritée de l'enfance des pères et des grands-parents. Une partie de la récolte est donnée chaque année à l'église orthodoxe grecque présente à Bejala pour la célébration de la fête de la Sainte-Croix selon le calendrier oriental. Nous avons à peu près toutes les sortes de raisins locaux. Bitoni, Dabuki, Hamdani, Jandali. Et la famille suit la tradition ancienne pour laquelle nous présentons chaque année, en particulier à l'occasion de la fête de la Sainte-Croix, une partie des revenus du vignoble à l'église, afin que le Seigneur Dieu bénisse notre production. Le travail à la ferme ne se limite pas aux membres de la famille, mais inclut également les personnes handicapées, ce qui souligne la nécessité d'intégrer ce groupe de personnes dans tous les domaines de la vie. Imad s'occupe de la répartition du travail, irrigation, traitement du sol, récolte, production et vente. Si Dieu le veut, la paix prévaudra sur la terre et l'avenir de nos enfants sera prospère, de sorte qu'ils puissent vivre dans la dignité sans problèmes qui affectent leur vie.